Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Sirikai. Salut tout le monde! Donc pour ceux qui ne remarquent pas, là je J'en suis en étais au mode, petit milieu. j'avance doucement les pions histoire de dire que je vais pouvoir violer le territoire suédois. Oui, nous mettons en question la souveraineté et l'unité du territoire suédois. Hey, le Todoro, il a quand même 21 000 hommes. Hein. Ah bon? Surprenant. Ouais. Enfin, il a. Je dirais, bientôt, il l'avait. Qu'est-ce que tu veux faire, les pauvres? Je le défonçais. La Castille, ouais, la Castille, t'allies avec qui, toi? Hongrie, ouais, on s'en branle. Portugal, on s'en branle. Novgorod, on s'en branle. Et l'équipe Kunja, bon. Personne. Mais si je déclarais la guerre à la Hongrie. Ah oui, non, c'est trop gros, la Hongrie. Ah bon? Le général qui est là. C'est allé bouler, c'est toi qui me réponds. Ah oui, c'était pour vrai. Là, on voit Suède, il faut que vous expliquiez une chose. Oh là là, l'autre, il allait taper mes pauvres Bosniaques. L'Ottoman. Oh, l'Ottoman, il est dans une putain de guerre avec le monde entier, là. Il leur fait t'as des baskets, tu passes pas, quoi. Son personne aime l'Ottoman. Ouais, en même temps. Non, mais c'est lui qui aime personne, là, surtout, hein. C'est vrai aussi. La Suède a gentiment rendu les corps du Danemark. J'ai vu ça. Un peu un sauvage sur les bords. Ah, un mariage royal avec la Russie, mais bien sûr. Ah merde, c'est pas de la bonne dynastie ça. C'est la mienne. Mes navires là, ils disent quoi? Bataille de la mer Tyrrhène. Ah ouais, j'ai rasé la flotte italienne avec mes navires de commerce. Comment dire? Viens me taper, Solvay. J'ai 14 000 hommes, t'en as 23 000, t'es con. Vois, toi-tu. Bizarre de voir Théodoro avec autant de troupes. En fait, Théodoro, il n'y a que quand c'est l'humain qui le joue qui se fait casser le fion. Sinon, il gère bien Théodoro en général. En plus, Non, c'est vrai, hein. Toi, tu le joues, tu te fais défoncer par la Crimée, par le. ottoman, Par la voisine! par le La polonais, voisine, elle te défonce. Par le polonais, par. Même Loubec, il dit, tiens, je vais défoncer Théodoro, mais putain, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes, toi, il dit. même gêne. Ah, je vais les défoncer là, 27 000 contre 25 000 en montagne. Ah, c'est moi qui ai les malus? Merde, fais chier. Ah, j'ai fait le con là. Par contre, il y a des provinces, je comprends pas. C'est genre 2 20 de National Unity. Ou deux, genre 2 20 de National Unity, ça me coûte 12 mois. Et pour 13, 17 mois, j'ai un 10 de National Unity. Pour le, enfin, Religious Unity. Là, il y a des trucs, j'ai pas compris.
Y a plein de trucs qu'on comprend pas dans le jeu, tu sais. Ouais. Vert, c'est pas de barrer de la guerre, non? Voir la flotte d'Odorienne. Enfin, je sais pas ce qu'elle faisait, elle devait protéger un des trois. Il y avait cinq galères, je crois, initialement. Enfin, j'ai dit il y avait, quoi. Galère. Pays que j'ai vraiment envie de me faire, c'est le rosbif aussi, quand ça doucement me gonfler, cela. Ouais, putain, mais qu'est-ce que Dirk de nous faire chier? Oh, rosbif! Ils ont toujours. Toujours sur leur putain d'île. Après, faut faire qui? Faut faire la Castille, l'Aragon aussi. On a du boulot pour dominer l'Europe. Oh là là, ça. Ouais, mais c'est prévu. C'est un travail de dominer l'Europe. Ah, mais Oh c'est là là. bientôt fait, t'inquiète, Lac. La Castille et l'Aragon, c'est prévu. Quelle taille ça fait, la Crimée, au fait? Enfin, Théodoro, non, 152%. Ouais, on s'en branle. Bornholm, je le refilais au Danemark, hein. C'est des Danois. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Théodoro. Rien de pas que, je veux pas le, je veux rien leur piquer, je veux toutes ces thunes. Non. Le traité avec la Grande-Bretagne, avec la Lituanie. Donc, non, pas Lituanie, on s'en fout. Pologne. Une réparation de guerre, transfert de tête. Ah, tu veux pas tout ça? Non, l'autre, attends, je lui demande réparation de guerre, je lui demande ses thunes, il fait la gueule. Attends, on va le Faut leur défoncer. apprendre un peu la politesse. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pris de forteresse. Donc... Ouais, attends, même pas que j'ai peur, hein, je vais te niquer ta race. Attends, mon gars, je t'explique là, vite fait. T'as 28 000 hommes qui sont devant ton fort. 60. Pourquoi je me tape de l'attrition avec mes navires? Attends, j'ai Kafa qui est à côté, l'autre il me dit que je suis pas approvisionné. Et les yeux, quoi. Cafasse à toi ou pas? Ah ouais? Ah ouais, c'est bizarre. Limite, il me dit que je suis Parce que trop loin, donc c'est juste un occupé, que abysse, c'est c'est un pas abysse, quoi. à toi. Enfin, vraiment à toi, je veux dire. Enfin, c'est à toi, mais sans lettre. J'étais. Ah, tiens, les séparatistes autrichiens. Gorskrin. Gorskrin. Grasse et Stiermann. Ouais, c'est Stenmark, l'autre. Ouais. On va prendre les 28 000. Ah, c'est bon, la main de poids, elle est revenue quand même. Je suis remonté à mes 132 000. En fait, je crois que j'ai compris. Conflit d'intérêt chez le Ming. Oh, c'est dommage. Peut-être qu'il avait déjà pris cher le Ming. Oh la vache. C'est moche, hein, pour le Ming. T'es en train de taper le Ming, Non, toi? il s'est tapé des conflits internes. Oh T'excites là pas, là, mon quel gars. pire. Oh, le pauvre! Oh là là, ça pique. T'as flippé, genre. Oh, t'es en train de Le faire le monde Ming! répond. Oh là là. Regarde ma loi. Ma loi. Regarde ma loi et mes wars. Ah oui. Alors j'aime bien quand même le Timouride. Regarde le Timouride aussi. Il est quand même assez folklore, quoi. Faut dire qu'on a tellement affaibli la Russie à une époque. Ça, c'est un défaut des fois. Oui, avec cette putain de guerre de succession. Toi, ce que t'aimes bien faire des fois, c'est vraiment Ah bah pourrir des un fois, pays. si... Moi, je suis. Voilà, si vous gérez bien une guerre, les gens, vous pouvez en une guerre faire s'effondrer un pays. Après, moi, ce que t'as fait. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est-à-dire que... Ce que t'as fait avec le Russe, moi, je n'étais pas fan pour le simple, c'est que. Le russe, ben, j'aurais bien aimé avoir un allié un peu plus puissant quand même. Bon, il est quand même assez balèze, mais bon. Ah ouais, pour faire contre-pouvoir à la Pologne et à l'Italie. Surtout à l'Ottoman. Tiens, en fait, c'est quoi ma mission? Je crois que c'est... Ouais, c'est de poter avec toi, comment dire? Tu vas annuler, hein. J'essaye. Monsieur, faut que j'ai 100. Ah ouais, il y a que 9. Et toi, t'as... Hey, augmente la relation avec moi, espèce de sac à merde. Il y a 60 et des C'est brouettes. bon. Je t'ai vu ne pas le faire. C'est bon, ça passe. De toute façon,
Voilà, le siège de la Tant que Trinité t'as est moins des nommé. brouettes, tu sais, hein. Ah, on va raser la flotte vénitienne qui reste. De toute façon, dans 50 ans, c'est bon, la grille d'expansion, elle est finie entre nous deux. Hey, c'est plus 3 par an, j'ai 150, tu fais 3, 50 fois 3, c'est 150. Et puis également le fait que t'aies une religion hérétique, en plus, ça aide pas. Mais après, Bon, c'est clochard voilà, de réformer. Doudoro n'a plus d'armée. J'ai dit que le char de réformer, connard. Toi? Bon, Théodoro, t'as pété ton armée, j'ai tout piqué. Tu veux... Non, il veut toujours pas la paix, mec. Ah, je vais résister. Et quoi? Le pro. Mec, je peux rien lui prendre, j'ai dit donne-moi tes thunes, transfère le trait de power et suce ma bite. Et l'autre, ah non, mais touche un fou, moi. Je vais raser la flotte théodorienne. Oh, le pauvre. 15 navires de transport. Ah, je vais peut-être en récupérer un ou deux. Alors, il a 6 navires de commerce, une galère. J'ai 45 navires lourds. Quelles sont mes chances de succès? Ouais, j'ai Sais gagné. pas. Nouvelle technologie diplomatique, bien. Voilà, comme ça, mes navires, ils sont à portée de... Emportés ou pas? Ouais. Théodoro. Ah, il offre, il accepte ma paix. Ensuite, nous avons assaut, faites-moi. L'Ottoman, ça vaut ma réputation, il y a que ça à foutre, ce connard. Avec mes provinces. Alors j'annonce, Venise n'existe plus. Moi j'annonce une chose déjà, c'est que Tver, je vais le pourrir, je vais le piller, c'est tout et tout. Je vais pas prendre Tver, je veux dire c'est pour le russe ça. Qu'est-ce que je fasse de Tver? Honnêtement. Raguse, merde, Raguse, je voulais pas le prendre pour moi, je vais le donner au. Il est où lui? Et là, Bosnie. Grande province. Raguse. Ah oui, c'est du Dubrovnik. Ah, Dubrovnik. Ah. Convertissent la crête avant de les relâcher. Putain, demain faut que j'aille aux arcs. Oh, aujourd'hui je me suis tapé une journée, mon lapin. Ouais. Moins 22 degrés. Ah, ça pique! Ah ouais. Moins 22 degrés, c'est vrai que c'est ouf. J'imagine. Moi, aujourd'hui, j'ai pas eu à sortir de chez moi. Quand je serai grand, je serai prof. Abruzzi, donc là, on va convertir la Crète. Oh non, j'ai pas encore ça. Effort, on va démobiliser. Hein.
C'est pas raciste, c'est de la Crète, c'est les crétins. Si tu veux, pourquoi? Ah, on va l'envoyer. On va l'envoyer ici. Réparons la flotte. Moins 22 degrés, ça pique un petit peu. Mais par contre, tu vois, ce qui était marrant, c'est qu'il faisait moins 22. Mais il n'y avait pas de... Enfin, moins 17 avec le vent. Après, je suis redescendu. Il faisait que moins 12. Et moi, oh, mais c'était humide et il y avait du vent. Vite, tata Monique. Ouais, bah Et 2000 de thunes pour upgrader mes 62 navires lourds. putain. 62 navires. Ça coûte cher. Les Britanniques sont relous, putain. Dès qu'on a une grosse flotte, je crois qu'on s'en occupe. Ouais, mais qu'on trouve un moyen pour être allé dans une guerre ensemble, enfin, genre que les pays déclarent la guerre à quelqu'un. Les Pays-Bas déclarent la guerre et qui nous invitent tous les deux. Ah, venez m'aider, s'il vous plaît. Ok. Ok, on arrive, bouge pas. Ok, la Crète qui veut se rebeller, les îles qui on s'en fout, et c'est parti, les mecs ils ont peur de rien. Ouais, on va tout niquer. Mais vous êtes déjà rebellés, on vous a massacré. Ah mais c'est pas grave, on va... Moi, je convertis, hein. Le focus là-dedans, les cultures, putain, vivement que je... Oh là là, quand je vais tout pouvoir accepter, ça va faire du bien. Ah, pour la culture, je sais pas que c'était les Polacks, moi. Y a plus 50 ans de réputation avec toi. Ça monte, ça monte. Bon, la Castille, nous disons, t'es allié avec qui? Le problème de la Castille, j'ai 20 000 hommes en bas, il va me défoncer si je passe, si je déclare la guerre maintenant. Qui me laisserait passer là? Didi, la Castille, tu veux bien que je traverse avec mes armées ton territoire pour aller me cacher? C'est quoi? J'accepte la culture polonaise. Task formulier. Prête se révolte. Ah, il pop à 10 000, j'ai 28 000 hommes qui sont en train de se branler. En train de taper dans la crétine. La crétine qui est l'habitante de Crète. Ah, ici. Ah, je pense que je vais me taper la Castille. Te plaise. Parce que la Castille est alliée donc avec la Hongrie, Portugal, Novgorod et Kikunja. Et il a l'Aragon en vassal. La Hongrie, je les sors en 2-2. Une armée qui s'occupe du pays. La France s'occupe. La France s'occupe de la Castille. Je pense. Un fort activé. Encore bénéficiaire. Catastrophique. Je suis à combien là? Plus 47 par mois. Le clergé no qui veut le plus de province, vous cassez les J'en pieds, suis. mec. J'attends que la Crète soit convertie. Des GQ en or. Pas mettre le Germain, déjà que j'arrive pas à être pote avec lui. L'Ottoman qui est le seul rival valide. Les autres, ah, on est des petites bites. C'est ça que t'as une petite bite. Nous disions donc. La Crète, est-ce que j'ai des territoires intéressants? Non, la Crète, je vais pas m'emmerder en fait à le. Tu vas faire quoi de la Crète? Bah, je voulais le libérer en tant que vassal, mais il n'y a aucun intérêt.
Si c'est. Et il y a eu le tuning de fin d'épisode. La pause. Cheramat Patrie Mafut. Ouais, donc je vais donner l'ordre à la d'aller là-bas. Et encore. Ok, donc voilà, sur ce, on s'arrête les gens. Et on vous dit donc à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde! Allez, salut tout le monde!